Y'a un mec là. Ah non, non, faut. Ouais, non, on a pas de stats. Oh là, si je la chope au vol, elle. Game sense. He's to the right. Oh! Damn! Oh, game sense! Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Tu l'as payé combien ta souris? Pour savoir. Je sais pas. 50 peut-être. 50 euros? Ah ouais, quand même. Rejoignez après, je connais pas. Hein, parce que pour 20 balles de plus, une rocade, ça fait le taf. Enfin, là, je dis ça parce que moi, je suis fan des rocades, mais après, rocade ou autre chose, quoi. Corsair. BenQ. Il vous a niqué lui, hein. Il vous a fait non, la non, mais... bah ouais, mais il m'avait pas vu non plus. Et je me rappelle de mon niveau de jeu quand j'avais commencé le jeu, tu vois ce que je veux dire? Au bout de. Bah. L'une des raisons pour laquelle on a commencé à faire la Pro League avec Falco, ah bah... c'est que. C'est que effectivement on s'est dit. On s'est dit putain, on va la gagner quoi. Dès le premier mois, quand on est arrivé au final de Pro League, on a dit les Américains, LOL! C'est vrai, hein. On l'a dit, hey, t'imagines, on leur met 5-0, 5-0. C'était comme ça qu'on y était. Parce qu'on savait que, voilà quoi, on avait un edge. Yes. Hey, mais... Oh, y'a un blitz. L'ennemi vous repérera, votre emplacement a été découvert. Welcome to the Salty Academy. J'ai personne. Non. Blitz blessé et après là. L'ennemi va vous repérer si vous restez là. Pas salle de bain. Vous avez été découvert. Bug fait res, non? Ouais, je pense. Ah merde, c'est un blitz. Bah, il a été res. C'était un. Mais je l'ai pas tué l'autre là? Je l'ai mise à terre juste. Il y en a une à terre. Valkyrie, elle est à terre. Allez, elle se relève, elle se fait relever, elle se relève. Valkyrie, elle est à terre? Non, non, elle se fait relever, elle se fait relever. La pauvre Valkyrie. Non, pas Valkyrie, oh ça bah, va. Ah, c'était drôle quand même, arrête. Ah, c'était humoristique. Camera activated. Sur moi, Blitz. What? Oh non, je l'ai loupé. Genre, je lui mets pas. Mec, meurs! Putain, j'ai un M de poney. Allez dans le fût. Tu sors, ils sont tous sur ta droite. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. T'es sûr? Mais non, non, mais je te troll pas, je suis pas là pour te troller. Ils sont tous sur ta droite. Allez, vas-y. Sachant qu'il n'y a que la tête qui dépasse et qui ils sont rentrés alors. Rentre, rentre, rentre. Fais gaffe à ton couloir, fais gaffe au couloir là. Ouais. Gauche, gauche, gauche. Y'a rien de là. C'est gauche, droite. Voilà, ils vont arriver dans les. Voilà, ici. Un tireur à travers, il est pas mort. Il est pas fini, je peux le finir à travers. À gauche, à gauche, regarde, décale à gauche. Ah bah non, il est relevé, autant pour moi, tu l'as fini. Autrement, ce serait fini. Il est mort. À ta droite, t'entends du bruit. À ta droite, t'entends du bruit. T'as quoi comme casque? C'est son pote. Ah ouais, autant pour moi. Reste pas dans une ouverture comme ça. Quand tu viens une... À ta droite, tu l'entends. Si, il y avait bien du bruit à droite, tu avais raison. Ouais, moi j'ai un très bon casque. J'ai un très très bon casque. Donc c'était pas son pote, quoi, en vrai. Parce que pour moi, c'était plus loin que ça. Oh bâtard, t'as pris ma place quoi, j'allais avoir l'animation avec Doc, je sais même pas c'est quoi son animation. T'es vraiment un enculé non? Ah c'est un truc en noir et blanc, ce style. Je sais pas, ne me spoil pas mec. D'où tu me spoil? Est-ce que je te raconte la fin d'Infinite Avenger moi? Non mais je m'en fiche, tu peux aller meurent tous. Tu l'as vu du coup? Ouais, je t'ai regardé. Ah alors t'as aimé? Ouais ça va, ça va.
I told you. You die for that. On est repéré là, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux me droner? Ou est-ce que tu veux que je te drone? Qu'est-ce que tu veux là, faire? Ok, nice. Non, j'ai plus de drone. Ok. On va mettre une grenade pour les faire fuir. On rentre vite fait. Viens avec moi, viens avec moi, j'ai besoin d'un support. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, t'as bien wedge, il fallait rentrer. Vous êtes où? Sur A. Putain, mais il en a mis combien lui? Ah ouais, tu veux jouer à ça, enculé. Là, mon ok. Pour les personnes qui sont pas forcément des compétiteurs, et malheureusement les personnes qui ne sont pas des compétiteurs vont parfois avoir du mal à se fixer un propre objectif. Donc autant que moi, j'en fixe un. Donc je vais donner un objectif, il est simple. Situation numéro 1, Airford, et de le faire exactement. Vous avez déjà joué à Call of Duty? Moi, il y avait un truc que j'adorais faire dans Call of Duty. C'était simple, c'était refaire le truc du début avec un pistolet et en partant le plus rapidement possible, en essayant de mettre juste des one tap. Et du coup, tu fais que de t'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors après, tu connais où sont les mecs à chaque fois parce qu'ils ont pas bougé depuis un an, parce que je l'ai pas fait depuis un an, mais ils sont là. Bon, je fais de la merde, excusez-moi. Surtout qu'en ce moment avec le pistolet, c'est pas ouf. Ah, je sais ce qu'il fait, je vais vous faire la même chose. C'est parfait, et vous allez voir qu'on va... Qu'on va pas arrêter de s'améliorer, on va pas arrêter de le faire de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Du coup, après, ce que je veux que tu fasses, c'est juste, ouais, je te donne un timer là ce soir, tu le fais au pistolet, t'essaies de battre mon timer, ok? Ok. T'essaies de le faire. Au début là, je suis juste en train de me chauffer. Mais t'es dans quoi là? Parce qu'en fait, tu regardes pas le live. C'est juste une situation, c'est la première situation sur Airford. J'ai vraiment du mal avec le 4 tiers. C'est horrible là, le 4 tiers pour tir au pistolet quoi. Je comprends pourquoi y a les mecs au 4 tiers ne veulent pas jouer le blitz quoi. Putain, mais ça colle aucune tête. Voilà. Et il va falloir le faire le plus en plus vite. Plus vite possible, plus vite possible, plus vite possible. Donc tu fais que du retry si t'es dessus, la première situation, tu vois. Et Mary est en train de faire la même. Et t'essayes de mettre que des one tap ou en tout cas de le faire le plus rapidement possible. À la fin, je te donne un timer, je te le donnerai à la limite, je te le ferai demain. Et on essaie d'aller le plus vite possible. Ok. Ah. Et pas ça, etc, etc. C'est du die and retry. D'accord. C'est que du die and retry. Ouais, et tu le fais en quel niveau? Normal, difficile? Hein? Non, normal, que du normal, que du normal. Ok, timer. Ok, Google. Timer. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Avec le pistolet, t'essayes de faire le plus beau des runs. Et je suis sûr et certain, j'en suis sûr et certain, quand tu vas claquer ne serait-ce qu'un petit 30 secondes, là je le fais assez facilement le 30 secondes, ça passe plutôt rapidement. Quand tu vas venir grappiller du 28-27, là déjà, tu pourras presque être gold. Pourquoi? Parce que tu auras déjà le bon crosshair placement, la bonne précision, la bonne capacité à mettre des têtes et à anticiper des mouvements, etc. etc. Il te manquera quoi? La connaissance de la map, dont on discutera un petit peu plus tard. Le game sense qui se travaille en jouant, hein, de toute façon, et en regardant à la limite des vidéos. Et puis les petits tweaks, les petits trucs comme ça. Mais sur le aim, je pense que ce genre de truc, ce genre de speedrun, ça peut être intéressant. Donc travaillez-le, vous, à la limite, ce genre de truc-là. À mon avis, ça se claque quand même facilement. Là, vous voyez bien, j'ai vraiment, vraiment du mal avec le pistolet. Si je travaille, moi, je suis le genre de personne, je peux passer une journée à essayer de faire le run de ouf, quoi.
à essayer de faire le run, essayer de travailler directement les pré-shots, essayer de machiner. Je trouve ça hyper excitant comme truc. Je, vraiment, sincèrement, je trouve ça vraiment sympa. Et je pense qu'il y a un moment où, si tu arrives à te dire que physiquement, toi, ce n'est pas possible, si tu t'énerves et que tu te dis « c'est pas possible, je n'y arrive pas », c'est que c'est la technique qui va pas. C'est que c'est ton putain de sensibilité, ton putain de tapis de souris qui fait 15 cm et qui t'empêche du coup. En fait, le tapis de souris est tellement petit qu'il t'augmente, il t'oblige à augmenter la sensibilité. Parce que tu te dis, bah ouais, mais je comprends pas, mon tapis de souris il fait 15 cm. Donc du coup, si j'ai pas une grosse sensibilité et que je mets une petite sensibilité, bah je sors de mon tapis. Et j'ai pas envie de sortir de mon tapis. Bah oui, mais plus ta sensibilité est élevée, en règle générale, sous certaines conditions, et moins t'es précis. Donc il faut arriver à trouver une. On peut pas avoir des tapis de 8 mètres. Et on peut pas avoir des tapis de 12 cm non plus. On peut pas avoir une sensibilité de 2. On peut pas avoir une sensibilité de 1000. Vous trouvez le juste milieu. Et ça, personne vous dira... bon, il y a des trucs, quoi. Moi, tu vois, par exemple, je vais dans un jeu, je prends un tapis, le tapis souris que je vais t'envoyer, le Yungtis, tu iras de gauche à droite avec ta souris, et il faut que ça fasse à peu près... Si tu veux recopier la sensibilité que j'ai, par exemple, il faut que ça fasse à peu près 380 degrés. Pour calculer ce genre de truc, et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai déjà donné par le passé et que je vous donne, que je vous dis, si vous arrivez sur un FPS que vous ne connaissez pas et que vous voulez avoir à peu près les mêmes sensations qu'un autre FPS, par exemple, le jour, on est retourné sur Battlefield 4 et j'ai fait « Merde, c'est pas quoi ma sensibilité ?» Je connais pas ma sensibilité Battlefield 4. C'est un FPS, donc qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je mets mon viseur in-game contre une paroi d'un mur, une arête, un truc qui fait un pixel, tu vois. Après, je prends ma sensibilité que je sors à gauche de mon tapis de souris. Je prends ma souris que je sors à gauche de mon tapis de souris. Donc, le capteur, en fait, n'est plus sur le tapis de souris. Je fais de gauche à droite du tapis de souris. À un moment, il reprend parfaitement. En fait, il va aller juste du bord à bord. C'est ça que tu veux, en fait, avec le capteur. Hein. Parce que si tu vas avec le côté de la paume de la main, le capteur, il est au milieu de la souris. Je sais que c'est un peu compliqué. Mais tu fais gauche à gauche et de bord à bord exactement. Et du coup, eh bien, si moi ça fait un 380 degrés. Il y en a qui feront plus, mais si tu fais 8 tours par exemple, bon bah laisse-moi te dire que c'est trop. Hein. Voilà. Tu vois. Ah ouais, moi déjà en un coup de poignet, je fais un tour. En un coup de poignet, tu fais un tour sur un 15 cm. Ouais. Ouais, bon bah voilà. Je pense pouvoir te dire que ta sensibilité est trop élevée. Oui. Et le problème, ouais, en fait, c'est que en fait, ton cerveau et tes mains sont en train de se conditionner, non pas au fait que t'es une grande sensibilité, mais au fait que tu te sois obligé à mettre une grande sensibilité parce que tu joues pas dans de bonnes conditions avec un tapis de souris qui est d'une taille normale. Un petit papillon. Parce que si je te demande de baisser la souris... Bah ouais, si je te demande de baisser la sensibilité, tu vas me dire, bah ouais, mais je comprends pas, il faut qu'à chaque fois que je fasse comme ça, tu sais, que je ramène la souris. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Problème. Ouais, j'ai pris une grande sensi, mais ouais. Après, c'est vrai que c'est pas précis du tout. Petit papillon, tu vas te brûler. Voilà. Viens là. Non, va pas dans la lumière. Non. Viens, ton ami, je te veux du bien. Non. Mais arrête d'avoir peur, papillon de merde. Je vais t'écraser, ça me fait chier là.